Salut l'ami, alors bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Donc là, elle va être sur ADW Cleaner. Donc ADW Cleaner, c'est quoi? C'est un logiciel de nettoyage. Donc pour nettoyer son ordinateur, comme ZHP, où donc j'ai fait une précédente vidéo, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le petit i en haut à droite ou dans la description. Et j'ai même fait une autre vidéo où c'était les logiciels de nettoyage. De PC pour 2021 et 2020 aussi, fin 2020. Donc vous pouvez aussi la retrouver sur le petit i et dans la description. Voilà. Donc si vous avez fait ça, que vous êtes aussi abonné, que vous avez activé la petite cloche de notification et fait un petit like, avec petit objectif 10 à 20 likes, voilà, entre 10 et 20 likes avant ce week-end, je pense que c'est faisable, hein. Allez, on y croit. On est mercredi, ce week-end, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche, normalement, on devrait avoir les 10. Allez, donc partagez, hein, partagez un maximum. Voilà, à votre famille, tout ça, vos amis, partagez-le. Moi, du coup, pour ma part, donc je vous conseille d'aller sur Chrome. Voilà. Donc dès que vous êtes sur Chrome, vous allez taper ADW. ADW. Cleaner, voilà, donc là c'est juste ici, ADW Cleaner, et vous allez cliquer sur le premier lien qui sera dans la description, bien entendu. Ensuite, vous cliquerez sur téléchargement gratuit. Voilà, donc là vous cliquez dessus. Voilà, faut attendre un peu, j'ai une connexion pas très. Voilà, là ensuite vous faites installer dans bureau. Voilà, moi perso, enfin vous faites installer dans download, hein, mais moi je vais mettre dans bureau pour ma part. Donc là, normalement c'est assez rapide, il y a 3 MO. Là on est déjà à 1 MO. Apparemment c'est plus que 3 MO, c'est 8 MO sûrement. Ouais, voilà, 8 MO, 8 MO. Ça a pris un peu plus de MO comparé à la dernière fois. Donc là, on la retrouve juste ici. Du coup, on va l'ouvrir. On va bien sûr mettre oui. Et on va mettre, avant d'analyser, on va aller dans paramètres. Et moi, pour ma part, je vous conseille dans applications de tout cocher. Vous cochez tout. Et vous décochez juste ça. Sinon, vous cochez toutes les cases. Pour ma part, je vous conseille de faire ceci. Voilà, vous cochez tout, 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 tout. Sauf celle-ci. Ensuite, vous allez aller au tableau de bord et lancer analyse. Donc là, vous allez faire une petite analyse. Voilà. C'est assez rapide. Enfin, la première fois, ça peut mettre un tout petit peu plus de temps. Mais sinon, c'est quand même assez rapide. Voilà. Donc là, hop, on attend un petit peu. Le temps que ça marche, que ça télécharge, je veux dire. Que ça recharge, je veux dire. Et voilà. Voilà, moi perso, j'en ai aucune. Donc, ignorer la restauration de base. Et du coup, là, moi, je suis bon. Par contre, si ça vous met des virus, il faudra cliquer sur celui du milieu. Moi, j'ai cliqué sur ignorer. Mais vous, il faudra mettre restauration. De toute manière, ça vous le mettra. Hein. Là, ensuite, dans quarantaine, vous voyez tous les virus. Fichier journalier. Donc, ça, c'est quand vous avez fait des scans. Et voilà. Donc là, analyse, nettoyage, déblocage. Là, vous pouvez voir. Ça, il n'y a rien à y toucher. Et voilà. Bon, cette vidéo, elle était très très rapide aussi. Voilà. C'était juste pour vous montrer plus en profondeur ADW. Donc, j'espère que cette vidéo, elle était utile. Voilà. On s'est fait un bon 5 minutes, c'est parfait. Du coup, moi, je vais vous redire à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez. Bye bye.